Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau récit de mes mésaventures fantastiques dans De l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, on en est au chapitre 48. C'est festival. Heureusement que j'ai ma bouteille de champagne pour me tenir compagnie à cette dernière soirée au bar d'huile. Juliette Binoche est là. Elle semble simple et discrète et je n'ose pas l'aborder car je ne saurais quoi lui dire. Par contre, il y a un grand gars qui n'hésite pas, lui, du tout, à s'installer à sa table pour discuter avec elle. Je branche un danseur très féminin, juste au corps, en lui collant une main aux fesses, ce qu'il reçoit avec plaisir. Et on se marre un peu là-dessus ensemble de façon amicale, même s'il n'a pas le profil à s'intéresser aux femmes. Il bouge peu après avec les autres membres de sa compagnie. Je tente au bar de me renseigner sur le parcours d'un jeune metteur en scène. Et il manque un peu de simplicité ou d'amabilité. Nous ne faisons pas partie du même monde, apparemment, vu le dédain avec lequel il me répond. Peut-être un homo aussi. C'est sûr que dans le milieu homo, à Paris, c'est comme une confrérie. Comme pour le milieu aveyronnais, avec la restauration. Être PD, parfois, c'est comme une recommandation et la sécurité de n'engrosser personne. Vivement que le bar ferme en ce soir de dernière du festival, j'ai jamais connu une soirée ici aussi pourrie que ce soir. J'ai vraiment l'impression d'être dans un panier de crabes. Moi qui pensais que le champagne m'aiderait à sortir de ma timidité, ça ne m'a vraiment rien apporté et en plus je sens rien. Je suis même pas pompette, complètement plombée cette soirée. À la fermeture, mon pote régisseur m'embarque récupérer les clés et au lieu où il a assuré la régie. Comme je lui avais dit que moi, la danse libre, je peux en faire tous les jours, je monte sur le plateau et enlève mes vêtements pour danser nu dans ce clair-obscur de fin de nuit. Le plateau est trempé de rosée, je finis par m'allonger sur le dos. Comme une étoile de mer. Les yeux grands ouverts sur ce ciel d'aube grise de petits nuages moutonneux. Des techniciens ou le gardien passent sur les coursives, alors je me rhabille et on décide de faire un tour au marché, manger un bout, car il va falloir que j'attende un peu plus tard pour pouvoir choper un train pour rentrer chez mon ami à Salon de Provence. Je me commande une entrecôte frite à l'intérieur du marché et là je revois le grand mec qui était allé parler avec Juliette Binoche. Comme mon pote doit partir car une longue journée l'attend, je décide de rester là avec l'autre qui est très sympa et à la tchatche. En fait, il a rien à voir avec le monde du spectacle. Il avait juste envie de causer avec Juliette et il y est simplement allé. Il me propose de faire l'after chez lui avec un pote à lui, un petit chauve, un peu costaud. On dirait presque Laurel et Hardy les deux. On va chez le grand, un appart assez spacieux, lumineux, au dernier étage d'un immeuble pas très loin. Et il n'a plus de filtre à café. Alors c'est pas grave, il lance ça à la turque, direct dans la casserole et le résultat est pas mal. Comme c'est le petit matin et que je ne prends mes cachets que maintenant, puisque le mec me dit que je pourrais me poser à la chambre pour dormir un peu avant de partir, je ne suis pas prête de trouver le sommeil. Le petit flirtouille un peu avec moi et s'est dessapé. Il en a une toute petite, alors je ne sais pas s'il est à fond, mais il y a une forme de proportionnel avec sa taille. En plus, il ne m'attire pas des masses. Heureusement qu'il n'insiste pas, même si je comprends que le plan à trois avec Laurel et Hardy me tend les bras. Du coup, comme j'ai dit qu'il n'y avait pas moyen, il se décide à partir pour rentrer chez lui. Au final, une fois seul avec le grand, il me démonte à la chambre avant que je m'assoupisse quelques heures. Au réveil, mal de tête et soif, et donc plus possible de se rendormir.
J'ai des vapeurs, je me sens mal et cette soirée, cette ambiance de panier de crabe que je n'avais jamais vécue auparavant, je glande un peu sur Internet avec mon ordi, le temps que le mec se réveille et dès qu'il refait surface, je décolle sur la place à côté d'une église où j'avais l'habitude de boire un jus de citron sec durant mes années de festival. Mais surtout, pour visualiser la taille de la terrasse devant laquelle j'avais dansé nu mon ode au soleil couchant en 2002. C'est vrai que la terrasse est très étalée quand même. Alors j'aimerais bien retrouver des personnes qui ont assisté à cette scène, savoir ce qu'ils en ont pensé de mon ode au soleil. Je préfère penser à ça qu'à la soirée d'hier. Limite, j'ai la nausée. Et puis, ce mal de tête, presque j'ai des vertiges à cause de l'alcool, alors qu'hier je sentais rien. Moi qui me disais que si je ramenais une pièce en Avignon, ce serait dans le in ou rien, mes idéaux en prennent un coup. Bon, j'ai pas moyen de voir une dernière fois mon ami d'Avignon, alors je monte dans un train en début d'après-midi pour rentrer me reposer de tout ça. Je séjourne encore quelques jours chez mon ami de salon. Mon ami, ici, c'est mon petit cœur de sur pattes. Nous étions voisines à la Colombette quand on s'est connues un été en bossant ensemble au vestiaire de la piscine Nakache. Là, elle est installée avec son copain et elle m'emmène faire un tour à différents marchés de Provence. C'est top. Et je me dégote deux robes longues très sympas et surtout une immense capeline multicolore. Je suis ravie. Fin du chapitre 48. Merci si vous avez écouté jusqu'au bout. Et à la semaine prochaine pour la suite. Enfin, dans 10 jours. Bonne journée. Au revoir.